À chaque fois que tu touches le ballon, il y a 10 euros à gagner. Est-ce que tu es capable de me sortir aujourd'hui le gagnant de la CAN? Le prochain candidat. Ok, attention. Le petit crochet, il rentre dans la caméra, oh là là. Salut YouTube, c'est Coach, ça va ou quoi? Et oui, aujourd'hui on est là pour vous faire gagner des cadeaux. Avec moi j'ai mon gars Pablo Chrono, ça va ou quoi? Tranquille. Et le mec il est là, il m'a dit: Céan, il y en a marre que tu mettes des petits bons à tout le monde pour un peu récompenser les gens. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous allez toucher mon ballon quand je joue contre vous, vous allez gagner un petit quelque chose. Exactement, vous allez gagner soit de l'argent, soit un cadeau. C'est très simple, vous allez défier Céan en un contre un. Dès que vous touchez la balle, vous allez gagner 10 euros en cash à chaque fois que vous la touchez. Donc ça peut être cumulable, il n'y a pas de limite, ça peut jusqu'à 100 balles, 200 balles. Ça dépend tout simplement de votre niveau jeu. Mais si Céan vous met un petit pont, la cagnotte en fait ne va plus directement vers vous. Si tu touches le ballon, tu gagnes 10 euros par touchage de balle, on va appeler ça comme ça. Si je mets un petit pont au gars, en fait je vais récupérer la cagnotte qu'il a gagnée et je vais la mettre dans sa cagnotte Snapchat que tu pourras récupérer sur le snap de Pablo Chrono. Donc je le mets juste là, allez le suivre, et la cagnotte elle sera juste à la fin de la vidéo. Vous pourrez la gagner, elle sera en ligne, ce sera à vous de jouer, et il vous expliquera tout ça sur son snap. Vous voulez gagner un peu de sous ou pas? On va jouer une minute. Si tu touches la balle autant de fois que tu veux pendant les une minute, tu gagnes 10 euros par fois où tu touches la balle. Par contre, si je te mets un petit pont, c'est oh fini. Non, ah, c'est le jeu. 1, 2, 3. Ok, c'est parti, allez. C'est pas possible. Allez, 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 allez. Bien joué. Comment tu t'appelles? Zoané. Zoané, et tu supportes qui pour la CAN? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tu penses qu'ils vont gagner? Ouais. C'est ton pronostic? Non. Non. Elle sait pas trop. Allez, prochain. Regardez, il est posé. Comment tu t'appelles? Abdoul. Abdoul, qui va gagner la CAN d'après toi? Algérie. L'Algérie, 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'Algérie. Ah, viva l'Algérie. On a un Algérien. Non, je suis pas Algérien. Là, on va passer sur une compétition. Tu vas avoir une minute pour toucher le maximum de fois le ballon. À chaque fois que tu la touches, ça te fait 10 euros. Par contre, si moi je te mets un petit pont, c'est fini. 3, 2, 1, ça part. Abdoul, joue, Abdoul, joue. Allez, où, allez, là. Allez, où, Abdoul, allez, où. Il connaît, parce que tu l'as touché. 10 euros. Ok, Céan, récupère le ballon. Hop, hop, là, et c'est fini. Et bon, attends, il a demandé la CAN, s'il vous plaît, Bein Sport. Vous pouvez remettre le replay. Abdoul, c'était super cool de t'avoir. Cette vidéo là, c'est. Ah, c'est gentil. Reste comme ça. Merci, voilà. À toi, c'est cool. Allez, ciao. Comment tu vas? Ça va. Ça va, comment tu t'appelles? Lali. Lali, tu nous viens d'où? Vitry. Vitry, Lali, qui est-ce que tu penses qui va gagner la CAN? J'ai aucune équipe de la CAN. Non, jamais, tu regardes même pas. Je regarde même pas la CAN. Ok. Ok. 3, 2, 1, go. Avec notre ami Laila. Oh là là, tu suis pour la balle. Il est pour la balle. Attention, attention. Oula là là, Laila, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde féminine. On lui donne une deuxième chance quand même. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Troisième chance. Laila, elle est concentrée. Laila, elle est concentrée. Oh là là, ouh. 0. Laila, Laila. Attention, Laila. On a un petit fil rouge, c'est-à-dire que Pablo Chrono, sa spécialité, c'est bien sûr de faire des pronostics. Et en ce moment, la grande compétition que moi, tous mes potes, ils parlent, c'est la CAN. J'ai dit, est-ce que tu es capable de me sortir aujourd'hui le gagnant de la CAN? Moi, c'est pas compliqué, je suis pronostiqueur sportif, donc j'ai plus de 90% de réussite, c'est énorme. On va mettre en fait dans une lettre sous-scellée directement notre pronostic à chacun, le pronostic de Céan et mon pronostic à moi, et on ouvrira ça le jour de la finale. Exactement, voilà. Là, on n'est pas le jour de la finale, mais quand je vais finir la vidéo, ce sera le jour de la finale, et j'aurai une petite enveloppe scellée où je vais ouvrir l'enveloppe où lui l'a remis son pronostic. Exactement. On va voir qui a gagné. Bah moi les amis, je suis vraiment sûr de moi. Encore une fois, on a dit qu'on allait pronostiquer le gagnant de la CAN. Là j'ai vraiment mon prono en tête, je suis sûr de moi. Je vais l'écrire sur ce papier là. Voilà les amis, c'est écrit, c'est acté. Sur ce petit papier que vous voyez pas bien évidemment, il y a écrit le nom du gagnant de la CAN. Bon voilà, il est en train d'écrire son prono lui. Et moi vous connaissez, c'est la CAN. Mais j'ai pas le choix là, YouTubeance. Je suis obligé de voter pour l'Algérie. Si je prends un autre, je vais me faire tuer par celui là Donc moi c'est l'Algérie, et j'espère que les Algériens vous allez gagner. Donc moi mon prono c'est le cœur. Lui c'est avec la tête, moi c'est le cœur. Et apparemment dans les pronostics faut pas jouer avec le cœur. Mais bon moi vous connaissez, je suis obligé, 1, 2, 3, va à l'Algérie. Bon voilà la YouTubeance, boum, j'ai deux enveloppes fermées. Pablo Chrono et Coach Céan. Voilà, ces deux enveloppes là vont être mises dans mon sac Urban Boat. Voilà, ils sont au calme, ils sont fermés, ils sont cool. Ces deux enveloppes contiennent le gagnant de la CAN. Est-ce que vous allez voir ça à la fin de la vidéo? On a un client là. On a un client, il est là. Jonathan, est-ce que tu as envie de gagner des sous?
Pourquoi pas? Mais je te connais. Non, attends, regarde, c'est très simple. À chaque fois que tu touches le ballon, gagne 10 euros. Est-ce que la jeune demoiselle, la fiancée, la femme, laisse son mari jouer? Oh oui. 3, 2, 1, c'est parti. Une fois 10 euros. 20 euros. Toujours. Oula, 30 euros. 30 euros. Il est chaud. Oula là. 40. 40 euros. Oula là. 50 euros. Oula là. 60. 60 euros. 70. 70. Oh là là, deux joueurs en place. Ça fait 80 euros du coup pour toi. On peut l'ablandir. T'es fatigué? Il fait chaud. Ouais, il fait beau. J'avoue, il m'a épuisé là. Moi aussi, je suis un peu dans le rouge. Tu vois, dans les jeux, il y a toujours un qui te double. Soit tu me mets un petit pot. Et là, on double ta cagnotte. Soit il se passe rien, tu restes avec 80 euros. Si je te mets un petit pot, c'est over. C'est pas possible face à toi. Il regarde les 80. On peut l'applaudir, magnifique. On va lui montrer qu'on lui donne vraiment. Là, il y a 20, là, il y a 40, il y a 60, et là, il y a 80. Si tu viens d'où? Je viens d'Agen. D'Agen? Agen. Agen. On te propose de gagner des sous. À chaque fois que tu vas toucher le ballon, ouais, tu vas gagner 10 euros. Par contre, si je te mets un petit pont, eh ben c'est fini. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, c'est parti. Allez, on a. Une minute. Ouais, c'est fini. Oh là là. Je me nourris un petit peu, je repars après. Le couscous et après tu reviens. Pas de soucis. Vous avez vu, hein? C'est direct. Tu peux gagner, tu peux perdre. Le prochain candidat. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, ok. Une minute. Ah, là, ils sont chauds. Allez, passe entre les deux. Lui il a des grandes jambes, lui il a des grandes jambes. Lui il a des grandes jambes. Et c'est fini. J'ai vu qu'il avait des grandes jambes lui. Bien joué les gars, et franchement c'était chaud à deux. Ouh là là là, YouTubeurs, on a une grosse annonce. Les gens ils touchent le ballon, mais le problème c'est qu'ils touchent pas assez. Sinon tu mets des petits ponts, du coup ça leur tue la cagnotte. Donc ce qu'on va faire, à chaque fois qu'ils mettent un petit pont, il y a 50 euros qui vont dans la cagnotte cadeau. Plus ils touchent le ballon, bah plus ça fait une cagnotte. Si je leur mets un petit pont, je récupère leur cagnotte, je la mets chez vous. Et en plus de ça, j'ai 50 euros en plus de cagnotte. C'est incroyable. Par petit pont. Ok, là on est là, je le vois. Elle s'est dans ça, mon gars, tranquille. Au niveau de la canne, tu supportes qui? Le Cameroun. Et tu penses que le Cameroun va gagner? Ils sont champions. Donc on a un pronostiqueur, il a dit que le Cameroun allait gagner la CAN cette année. On a un concours pour toi, 1 contre 1. Ouais. À chaque fois que tu touches le ballon, il y a 10 euros à gagner. Par contre, si moi je te mets un petit pont, c'est fini. 3, 2, 1, t'as une minute. C'est parti, Eric, c'est à toi de jouer. 1 minute pour toucher la balle. Oh là là, une fois, il y a 10 euros. 2 fois. 10 euros. Oh, 2 fois. Il y a 20 euros, 20 euros. Ouh la fin, attention, il va sortir celle-là. Merci, en tout cas t'as fait gagner 30 euros dans la cagnotte globale que tu pourras récupérer sur Snapchat, sur son Snapchat, ouais, par nos pronoms. Et en plus 50 euros en plus. Tu vas venir, on t'accueille. Comment tu t'appelles? Ouais, c'est Alex. En ce moment il y a la CAN. D'après toi, qui va gagner la CAN? J'aurais espéré que ce soit le Ghana. Le Ghana, oh attention, il a le Ghana. Le Ghana il joue ou pas? J'ai eu peur qu'il dit le Mexique. Tiens, on va te faire gagner des sous. À chaque fois que tu vas toucher la balle, t'as 10 euros. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, oh là là, 10 euros. Ok. Oh là là, ça va être sur la balle. Ouais, 30, tu vois, moi j'ai 40 euros, on va regarder ça, tu la connais ou pas, tu la connais, oui tu la connais, allez, il est beau, 60, ok, oula, oula, bien joué, oh là là, 70, va-t-il battre les 100 euros, va-t-il les battre, bien joué, oh là là, 90, ça arrive, ça arrive, ça arrive, on va quand même lui donner 50 euros parce qu'il mérite. Il était bon. Il mérite. Ouais. Ça aurait été en plus. On a des 50 euros en direct. Boum. On peut l'applaudir s'il vous plaît tout le monde. Nouveau challenger. Est-ce qu'il y en a qui est chaud pour gagner un peu de sous? Tu peux essayer en paquet. Tu peux essayer. 3, 2, 1, go. Attention, on est où là? Il a enlevé les claquettes, attention. Attends, Fabien, 2 secondes. Contrôle de sécurité vite fait. Ça va, ça va, ça va. Ok, Fabien, hop. Oula, t'as vu 2 fois, pas un Fabien. Voilà, je peux m'adapter à l'eau. C'est un mec de New York. Ouais, je suis en train de jouer au pronostic. Il a gagné 10 euros. Mon gars, en train de jouer. Ouais, ouais. Non, non, j'ai fait quoi? Ouais, il y a des gens qui sont plus en train de la gare. Merci à toi. Là, c'est le troisième avant-dernier. 3, 2, 1. Allez, est-ce qu'il va toucher la balle? Il y a 31 minutes, hein. Voilà, il a touché la balle une fois. 0. Ok, attention. Le petit crochet, il rentre dans la caméra, oh là là. C'est la canne, monsieur, c'est physique. Attention.
Oh là là, monsieur l'armée, 40. Oh là là, 50. J'ai entendu, frère, c'est ouvert, faut pas me dire ça. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Mon ami, oui. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire qui va gagner, le mec, il est sûr. Cash, hein. Direct. Ouais. Cash. Mais c'est un choix du cœur ou un choix de pronostiqueur? Non, c'est le choix de la façon dont il joue. C'est le pronostic, ouais. c'est la réflexion. 3, 2, 1, go. Allez, joue. C'est parti, joue. Oh là là. Oh là, il est fait prêt. Il a un max d'argent, tu vas prendre vite, attention. Oh là là. Ouais, c'est fini, mais on peut l'applaudir quand même. Je pense qu'on arrive à la fin. À part s'il y en a qui me dit moi, je suis le plus chaud de toute la gare Montparnasse. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti, allez, ça joue en place. Joue. Ah, c'est grave, le ballon. Ah, c'est vrai. Le ballon, il est derrière, tu es sûr, hein. Tu es sûr, allez où le ballon, tu es sûr. La couille de balle. Ouh. Tu es prêt, où la balle, allez, allez, voilà. Allez, là, 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 allez, vas-y, attention. Vas-y, on peut l'applaudir, magnifique. Selon toi, qui va gagner la CAN 2019? Maroc. Le Maroc pour Aziz, on peut l'applaudir. Bon voilà, YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. Déjà un gros big up à tous les gens qui ont participé. On peut les applaudir. Merci à vous. Avec moi, comme je vous l'ai dit, il y a Pablo. Chrono, un pronostiqueur de folie, plus de 90% de taux de réussite sur son site internet. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a défié les gens. À chaque fois que je les ai battus, on a récupéré une cagnotte que maintenant vous pouvez gagner juste là tout de suite sur son snap qui est juste là. Donc allez-y. Alors du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui ils ont tous un peu gagné de l'argent à droite et à gauche. Il y a quelqu'un qui a gagné 80€, une autre personne 50€. Et entre guillemets, à la fin de la vidéo, on va être juste après la finale de la CAN et je vais découvrir moi-même son chrono pour voir s'il avait raison. Bon la YouTubeurs, on se retrouve en fin de vidéo. Je suis avec ma petite femme. On est en date et comme promis, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Derrière moi, il y a l'écran géant, on va regarder le match. Je vais voir le résultat et à la fin, vous allez voir le pronostic de Toto Océane que vous connaissez déjà. Et le pronostic de Pablo Prono, on va voir si la raison. Les enveloppes sont avec moi et je vous promets, personne n'a triché. Allez, Wassou, il a vas-y. Yes, Aleluya, yes, Aleluya. Bon la YouTube, on est à la fin de la vidéo, comme je vous l'ai promis, là je suis actuellement en Arabie Saoudite, on est 15 jours après, hier j'étais à Dubaï, j'ai regardé la finale avec ma femme, j'ai pas eu le temps de filmer avant directement, mais là c'est le moment important que vous attendez de la vidéo, c'est-à-dire de voir si Pablo Prono a eu le bon pronostic. Vous ne croyez peut-être pas, mais dans mon petite sacoche, là ici, il y a les deux enveloppes qui sont archi pliées, vous avez vu, ils sont pas toutes neuves, non parce que je les ai pas refaites. Kochian, Pablo Prono. Ok, on va commencer par... Kochian, vous avez vu, j'ouvre bien l'enveloppe, donc Kochian, c'est moi. J'ouvre bien l'enveloppe. Hop là, boum. Et bien sûr, moi j'avais mis 1, 2, 3, viva l'Algérie. Au pronostic de Pablo Prono pour voir si c'est un vrai pronostiqueur, s'il a pu savoir 15 jours avant la finale. C'est vraiment fermé, il n'y a pas de trucage. Je vous promets, les youtubeurs, vous connaissez ton Océane, j'aime pas les tricheries. Boum, l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe est ouverte. Le petit papier, on va le découvrir ensemble. Je vais le découvrir même avant moi. Boum. Qu'est-ce qu'il a mis? Et c'est l'Algérie. Alors, je pense pas qu'il a fait comme moi un choix de cœur, parce que moi, c'était à cause de celui-là. Et j'aime beaucoup les Algériens. Il a pronostiqué le bon gagnant. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site internet. Il y a toutes les infos pour tout ce qui est pronostic, etc. Il donne les meilleurs conseils, etc. Et là, justement, on va lui redonner la parole, parce qu'on est le soir de la finale et il va faire le taf. Il va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Donc les amis, on est le soir de la finale et j'avais écrit sur mon petit bout de papier que l'Algérie allait remporter la CAN. Et ben c'est ce qui s'est passé et je vais justifier du coup mon choix. Je ne voyais pas l'Égypte remporter une 8ème CAN à domicile parce que pour moi il y avait trop de petites équipes qui risquaient de taper les gros, dont Madagascar, dont le Bénin. Et pour moi l'Algérie, elle avait vraiment l'équipe parfaite pour créer la surprise. Pour moi c'était vraiment leur année et ils pouvaient en profiter. Et ben les amis, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous l'aurez compris, ce ne sont absolument pas des choix du cœur, mais ce sont des choix qui sont bel et bien réfléchis et étudiés. Donc tous ceux les amis qui veulent profiter de mes pronostics et qui veulent également remporter les nombreux cadeaux qui vont être mis à votre disposition, il suffit de m'ajouter sur mon Snapchat. Tous les cadeaux de la cagnotte seront disponibles sur mon Snapchat. Faites-vous plaisir. À la fin de la vidéo, s'ils ont kiffé, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous mettez un pouce bleu, vous commentez, vous partagez les amis. Il connaît. Il doit s'abonner en cliquant sur ma tête. Kochian, il apparaît sur sa tête. Exactement. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. À la prochaine séance. Bye.